On vous a préparé un petit quiz. Est-ce que ces gens-là sont anglais ou pas anglais? Ah non, est-ce que c'est ça va? Oh, les niveaux du... Eric Zemmour mange couscous au moins 3 fois par semaine. D'ailleurs, c'est la première fois que Mediapart reprend plus mot pour mot ce que dit Marine Le Pen. Le bébé de Sarah Knafo s'appelle Karim. Wow. Je sais juste qu'il y a quelqu'un qui est enceinte et c'est Marion Maréchal, mais pas Sarah Knafo. En gros, c'est plus difficile d'être policier et candidat que d'être délinquant et candidat. On a préparé un petit quiz. Gérald Darmanin est obsédé par les Anglais. Alors, on va essayer de voir quelques photos de la soirée pour voir est-ce que ces gens-là sont anglais ou pas anglais. Première photo. Donc là, on a des supporters derrière les grilles, à votre avis, anglais ou pas anglais? Le jeu peut être marrant, mais ça pourrait être n'importe qui. On s'en fiche en vérité de la couleur des gens, on s'en fiche de ce qu'ils sont. L'important, c'est ce qu'ils font. Et ces gens-là, c'était des victimes. Bon, forcément, c'est des Anglais. Mais voilà. Oui, merci. Merci. Je suis un peu de la police, mais je pense que n'importe qui pourrait le trouver, sauf bien sûr M. Darmanin. Ah bah, Darmanin et Gilbert Montagnier. Voilà, c'est le point commun qu'ils ont, Gilbert Montagnier et Darmanin. C'est que, voilà. Là, c'est une capture d'écran de vidéo. Ça, c'est des chances pour la France. Voilà. Mais il faut surtout pas les montrer, ceux-là. Par contre, ceux-là, ils n'existent pas. Mais ceux-là, ils font du mal à la communauté maghrébine en France, qui se comporte super bien. Ils font du mal à nos compatriotes d'origine africaine. Ceux-là, ils leur font du mal plus à eux, parce qu'en plus, moi, j'ai plein de potes flics qui sont d'origine maghrébine ou africaine. Mais ces mecs-là, quand on les interpelle, ils les traitent de vendus. Donc ces gens-là, c'est une minorité. Mais on n'a pas le droit de les stigmatiser. Vous avez vu, par exemple, Hanouna. Il ne faut pas dire le mot racaille dans son émission. Mais si, il faut les traiter de racaille, ces gens-là. Parce que plus on va les stigmatiser, moi, je préfère qu'un môme que je vois, il me dit, mais moi, j'ai pas envie de ressembler à ces mecs-là, j'ai pas envie qu'on me traite de racaille. Moi, j'ai envie d'être médecin ou avocat, voilà, c'est ça que je veux pour mes compatriotes. Donc ceux-là, il faut bien les stigmatiser, ceux-là, il faut bien les stigmatiser. Ça c'est horrible parce que vous voyez, les policiers, ils ont gazé. Personne n'était à leur place, on sait pas quelle instruction ils ont eu et pourquoi ils ont gazé. Donc encore une fois, les policiers, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent commettre des erreurs ou pas. Il y avait certainement une bonne raison. Est-ce que pour vous, vos collègues, ce soir-là, ils ont bien travaillé? Mais j'ai pas les tenants, les aboutissants. Vous voulez juger sur une image et des gamins qui sont gazés. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un flic sont la plupart des pères et des mères de famille, ils vont se dire, tiens, je vais les gazer un gamin? Quand la personne gaze, il y a certainement une raison. Et puis il peut avoir un crétin, il peut avoir un incompétent. Il y en a tellement au ministère, pourquoi pas chez nous? Si le policier a merdé, il doit être sanctionné. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que nous qui sommes sanctionnés. Darmanin a honte de rien. Vous le connaissez, ce petit jeune, ou pas? Ouais, c'est un influenceur qui est parti avec l'autre influenceur, tiré au bazooka et à la calache en Syrie, et qui arrive à rentrer au Stade de France comme si rien n'était. Je sais pas ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, mais les services de renseignement, quand même. Donc je pense que mes collègues font le boulot. Mais encore une fois, c'est à l'étage supérieur. Dans tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, ils se sont tous donné rendez-vous au Stade de France pour se faire du blanc. Voilà ce qu'il y avait écrit. Il y a du blanc. Donc voilà, c'est ethnique. On va se faire du blanc. Vous avez des preuves de ça? Il y a plein de gars, il y a plein de collègues, il y a des baqueux qui sont sur ce genre d'application pour essayer de voir et qui ont essayé de faire remonter l'information. Aujourd'hui, nous avons eu 400, 500, 600, 700 personnes, des Framoisins, de la Cité des 4000, d'Aubervilliers, du Clos de Stein. Voilà, qui se sont donné rendez-vous, on va se faire du blanc. C'est un autre pays, il faut un passeport pour rentrer là-bas. Et ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas le dire. Et là, ça leur explose au visage. Ces gens-là nous détestent, ils détestent ce qu'on est. Et aujourd'hui, vous avez deux types de criminalité ou de délinquance. Vous avez les Français de papier, donc des gens que ça fait 2-3 générations qui détestent la France. On leur a mis dans la tête qu'on était des colonisateurs, qu'on était des racistes. Donc voilà, donc c'est peut-être un peu plus simple de dire que c'est de la faute de l'autre et pas la mienne. Et ensuite, maintenant, il y a ces individus-là, donc lui, il est là depuis 6 ans. Et ben voilà, qui est là aussi, qui est là pour. Ça pourrait être un mineur isolé, hein. Qui est là, voilà, pour se faire du blanc. Pour se faire du blanc, c'est ethnique, vraiment. J'ai dénoncé une policière islamo-gauchiste qui donnait des informations à Tarbois et qui crachait sur la police et qui dénonçait des faits très très graves mais qui n'intervenait pas. Donc du coup, mon syndicat et moi, on a alerté l'IGPN pour que cette policière, entre guillemets, ne fasse plus partie de la maison, parce que si ce qu'elle dénonçait était vrai, c'était très grave d'avoir laissé faire. Le métier de policier, c'est le plus beau métier du monde, et de dire à ces gamins, genre, on s'en fout nous, de la couleur de peau, on s'en fout de la religion, vraiment, c'est un très beau métier. Il est parti en sucette grâce à nos dirigeants depuis quelques années, mais voilà, on va se battre pour réhabiliter ce beau métier. Un policier, il a deux choix. C'est ou partir entre quatre planches, ou partir entre quatre murs. Après, juste pour tempérer un peu, parce que moi j'ai beaucoup couvert les manifestations de Gilets jaunes, parfois... C'est difficile de les défendre, les policiers. Oui, le seul syndicat, France Police Policiers en Colère, a avoir défendu les vrais gilets jaunes, ceux qui n'étaient pas violents, ceux qui posaient pas de problème. Nous, on est le seul syndicat, et moi, en tant que député, je demanderai une commission parlementaire pour savoir tous ces contre-ordres qui ont été donnés. Comment se fait-il que les munitions des LBD ont été changées spécialement pour les gilets jaunes? Comment se fait-il que les Black Blocs sont rentrés aussi facilement? Je pense plutôt que la police a été instrumentalisée pour que le mouvement des gilets jaunes ne perdure pas, et ça a très bien fonctionné. Bah, c'est sûr que quand on perd un œil, on n'a pas envie de retourner en manif. Oui, mais vous savez,
D'être blessé ne fait pas de vous une victime. D'être blessé ne fait pas de vous. Vous courez sur un policier avec une barre de fer pour essayer de lui shooter la tête et vous prenez une balle dans l'œil et vous perdez votre œil, ça fait une très belle photo. Ah, vous passez pour une très belle victime. Et je peux vous donner un exemple. Rodriguez, ça fait une très belle victime, Rodriguez. Mais Rodriguez, qu'est-ce qu'il a fait, Rodriguez? Il s'est pris pour un journaliste de guerre. Il s'est mis entre des black blocs et un policier. Et il a accusé le policier de lui avoir tiré au LBD. Vous êtes au courant? Ben oui, mais quand tu traverses une autoroute, mon grand, faut pas te plaindre de prendre une voiture dans la gueule. Il se met au milieu entre des policiers et des black blocs. Oui, après c'est une. Ça s'appelle un accident. Vous voulez 100% de pas blesser? N'agressez pas. Ne tuez pas. Ne vous rebellez pas. Ne volez pas, ne soyez pas un délinquant, eh ben, je vous dis 100%, voilà, j'ai trouvé la solution, je pourrais faire de la politique maintenant. On va peut-être passer là. Donc si M. Chouviat s'était bien comporté, eh ben, il sera encore là. Alors c'est malheureux, c'est un accident, le policier aujourd'hui, sa vie est ruinée, c'est un accident malin, voilà. Bah, c'est un accident ou pas, la justice donnera sa décision. Bah, du coup, aujourd'hui notre partenaire c'est SOS Chrétien d'Orient. Alors, si vous avez envie de donner du sens à votre été ou même passer une année au service d'une cause, l'ONG SOS Chrétien d'Orient, qui est présente dans tout le Moyen-Orient, vous lance un appel au volontariat. Partout dans cette zone, les chrétiens sont menacés, persécutés ou souffrent de la guerre ou de crise économique. Ils ont besoin de votre aide. Alors, envoie ta candidature sur le site de SOS Chrétien d'Orient et pourquoi pas partir au Liban pour lutter contre les ravages sociaux de la crise économique, en Syrie en pleine reconstruction, ou bien en Irak, apporter des colis alimentaires, des médicaments, des packs hygiéniques et des vêtements aux chrétiens irakiens qui tiennent encore bon. Rendez-vous sur le lien dans la description. Mais il n'a jamais été question, à aucun moment de la campagne, quand Zemmour était à 18%, que Marine à 13%, ou l'inverse, il n'a jamais été question que le Rassemblement National fasse un accord de parti avec Reconquête. Il n'a jamais été question, pour une raison assez simple, l'union des droites, Marine Le Pen, personnellement, n'y croit pas. Moi, je trouve ça fou, parce que moi, je suis pas un homme politique, et de me dire que moi, je vois des gens qui souffrent, je vois des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et je vois des gens qui ne sont pas vaccinés, et qu'on traite comme des chiens. Et non, bah non, je regarde, non mais regarde, si je lui donne cette circo, je perds 1,50€ par voix. Non mais attends, on est où? Donc non, c'est pas ça. Quel sera votre premier projet de loi à l'Assemblée? Alors, de te virer, Barry, parce que j'en veux plus de toi. Non, parce que c'est quelqu'un que je connais. C'est vrai? Alors déjà, moi, je renonce à 3 000 € sur mon salaire. Je souhaiterais que qu'on travaille vraiment pour l'intérêt général. Et 7 200 € par mois, je trouve ça beaucoup trop pour un député, sachant que moins vous avez d'argent, plus vous serez proche du peuple, plus vous serez obligé de prendre le métro et moins de taxis, des choses comme ça. Donc voilà, donc moi, je renoncerai à 3 000 € de mon salaire si je deviens député. Et ensuite, ça sera forcément la légitime défense, la défense excusable pour nos concitoyens qui aient le droit de se défendre contre les agresseurs. En fait, le fusil qui tient Eric Zemmour, il le pointe sur des journalistes, donc évidemment les journalistes aujourd'hui, enfin à ce moment-là, ils ont vraiment cru que la moitié, il y a une moitié en fait qui le dit pas et qui a pas eu peur, et une autre moitié, notamment je me souviens de Paul Laroutourou sur LCI qui était venu ensuite faire un peu sa victime sur le plateau en disant que c'était horrible qu'Éric Zemmour l'avait pointé du doigt, que si elle était chargée, il aurait pu lui tirer dessus. Non. Évidemment, elle était pas chargée. Et ensuite, on a évidemment un début de polémique, Marlène Schiappa qui réagit très rapidement, qui veut monter en épingle l'histoire. La conseillère d'Éric Zemmour qui le recadre, qui le prend entre quatre yeux au salon Millepol et qui lui dit bon arrête, on t'a dit de pas toucher les armes, ne fais pas ça. Et lui il lui répond bah ça va, tu vas pas faire ta schiappa. Ah, le fameux doigt d'honneur. J'y étais. C'est à toi qui faisais le doigt d'honneur? Absolument, moi j'étais derrière. Question de trop. Non mais là en fait là je suis à 10 mètres là. Il sort d'un restaurant, donc c'est à la toute fin de son déplacement à Marseille qui se passe mal. Donc il vient donc de faire un déplacement compliqué à Marseille. Il a fait la visite du quartier du Panier qui a été infiltré par les Antifa qui essayait voilà dans les rues adjacentes de pénétrer le cortège. Et donc il sort, il y a cette dame qui s'approche, il y a son officier de sécurité qui empêche la dame de passer. Et là, en fait, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que c'est Éric Zemmour qui baisse la vitre et qui dit à son officier de sécurité « Non, non, laissez-la passer ». L'officier de sécurité s'efface et là, la dame lui fait un doigt d'honneur. Et Éric Zemmour, qui est quand même quelqu'un de sanguin, hein, je sais pas si les gens le savent, mais c'est quelqu'un de sanguin, il fait ce doigt d'honneur. Et évidemment, c'était à quelques jours de son annonce de candidature. À mon avis, pas beaucoup de gens qui le savent, c'est que pendant 2-3 jours, Éric Zemmour, en fait, il va hésiter. Il va même prononcer cette phrase auprès de certains de ses proches. Je pense que je ne vais pas y aller, la politique c'est pas fait pour moi. Et en fait, bah, y a Sarah Knafou ensuite, sa conseillère, qui s'active pour que des proches d'Éric Zemmour, notamment ses fils, viennent pour le convaincre de poursuivre l'aventure, alors que sa vidéo de candidature elle a été tournée il y a 15 jours. Donc à ce moment-là vraiment tout est prêt, la machine peut être lancée, mais il y a que lui qui hésite. Et voilà, il rencontre deux, trois de ses proches, notamment lors de dîner, et qui le convainquent de se déclarer candidat, et il se déclare candidat le mardi, donc c'est 3 jours après.
Est-ce qu'on considère que le Macron assassin au Trocadéro est un dérapage? Est-ce qu'on considère que sa sortie sur les enfants handicapés en janvier est un dérapage? Est-ce qu'on considère que par exemple le doigt d'honneur est un dérapage? Ça, je pense qu'on peut le considérer, contrairement à par exemple le Macron assassin, où là en fait c'est pas de son fait, mais ça crée une polémique pendant 5 jours. On a fait un petit vrai ou faux, sympathique. Éric Zemmour mange couscous au moins 3 fois par semaine. Oh là, non, c'est faux ça, ça c'est faux. Alors Éric Zemmour, c'est assez marrant, mais il mange plein de choses. Par exemple, la semaine dernière j'étais en... Pardon, dans le Var où il est candidat aux législatives et je lui ai demandé ce qu'il avait mangé ce qu'il avait dîné le lundi soir et il avait mangé des pizzas. Donc c'est quelqu'un qui adore l'italien notamment et je pense que les gens qui ont lu La France n'a pas dit son dernier mot, son dernier bouquin l'ont vu. Il est très souvent dans les restaurants italiens, donc si ouais je sais par exemple qu'il aime beaucoup la sole purée, il aime beaucoup l'italien et les restaurants italiens. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ma copine l'a croisé dans un restaurant à Paris et c'était effectivement un restaurant italien. Comme par hasard. Deuxième vrai faux, le bébé de Sarah Knafo s'appelle Karim. Wow. Oh le niveau du... Alors je n'ai pas connaissance du bébé, je sais juste qu'il y a quelqu'un qui est enceinte et c'est Marion Maréchal mais pas Sarah Knafo. Éric Zemmour fait de la natation tous les matins. Tous les matins à 9h et donc c'est pour ça que... Sauf quand il a des matinales évidemment, mais sinon ouais c'est vraiment une de ses grandes passions et en complément de ça il joue au tennis tous les dimanches après-midi. Au mythique du Mont-Saint-Michel, un soutien d'Éric Zemmour est monté sur scène avec la musique de James Bond. Alors c'est vrai et c'est Nicolas Bay sur une idée d'Olivier Ubeda, donc celui qui était chargé de scénographier les meetings. Et en fait, pourquoi Nicolas Bay est un ancien cadre du Rassemblement National, un ancien vice-président du Rassemblement National. 4 jours plus tôt, il avait décidé de quitter le RN pour rejoindre Éric Zemmour. Et en fait, Marine Le Pen et son équipe ont essayé de court-circuiter le ralliement de Nicolas Bay en l'accusant notamment de donner des informations stratégiques à Éric Zemmour et Sarah Knafo pour, entre guillemets, voilà, gâcher la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Et alors c'est très très intéressant, et là franchement j'invite les gens, s'il y a un chapitre à lire, c'est celui-là, parce qu'en fait Marine Le Pen et le Rassemblement National m'ont accusé moi d'avoir divulgué cette information, et je raconte dans le livre qui l'a divulgué, donc il y a deux taupes, et je vous invite à lire tout ça si vous voulez vous informer plus que ça. Je donne les taupes et pas les sources. Ah. Bah non. Et puis par ailleurs je me dédouane. On vous remercie, on vous retrouve très bientôt sur VA+.